4 Fantastiques, une émission qui est présentée par Junior Tabala, moi présent, journaliste. Alors, nous sommes en train d'évoluer avec la publication du professeur Albert Chibangu Amulumba pour son nouvel ouvrage qui est intitulé « Bakwa Kalonji ». En présent, vous allez nous suivre et écouter tout ce que le professeur aura à nous dire à propos de cet ouvrage. Merci. Bonjour, monsieur. Oui, en présent, nous avons votre ouvrage intitulé « Bakwa Kalonji ». En présent, professeur, vous allez nous dire d'où est venue l'idée de Bakwa Kalonji ? En 1997-98, je suis parti chez nous dans mon village. Mon village natal, au Kassai, à Benakabamba. Là, j'ai trouvé le chef du village, qui m'a connu enfant. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'a raconté la période de mon enfance, mes parents, comment ils étaient. Et puis c'était quelque chose de formidable. Et je suis reparti, j'étais accompagné, ou plutôt c'est mon grand frère Télésphore qui m'avait accompagné là-bas. Et chaque fois que je devais offrir un cadeau, ça devait passer par les mains de mon grand frère. Et voilà. J'avais beaucoup insisté pour que j'aille voir ce village-là, parce que la tombe de mon papa était là. Donc je suis allé voir chez moi, quoi, là où on était, où je suis né. Et au retour à Paris, il y a mon fils, un de mes fils, qui me présente comme l'arbre généalogique vide. Il nous a présenté ça, à remplir côté papa, côté maman. Et c'est comme ça, c'est là d'où est venue cette idée de faire ce livre sur Bakwa Kalonji. C'est votre ouvrage, vous contenez parfaitement les contenus de cet ouvrage-là. J'aimerais bien que, ensemble avec vous, professeur au moins, que vous vous mettez à expliquer, peut-être ligne par ligne, cet ouvrage-là. Et par là, les téléspectateurs auront quand même une idée en rapport avec Bakwa Kalonji. Puisque vous parlez des téléspectateurs, voilà l'ouvrage. Et vous voyez, en tête, vous avez l'arbre. Chacun de cette famille, la grande famille de Baluba, appelée Bakwa Kalonji, peut se situer par rapport à cet arbre. Alors, cet arbre-là contient tous ceux de cette tribu. Non, ce n'est pas une tribu, c'est une subdivision de la tribu. La tribu, c'est la tribu Baluba. Et dans les Baluba, Baluba d'une façon générale, hein, que ce soit le Baluba du Katanga ou le Baluba du Kassai. Mais à l'intérieur de ces Baluba, vous avez côté ce qu'on appelle les Baluba orientaux, un peu vers le lac, au-delà des lacs, des trois lacs là. Voilà. Et puis vous avez les Baluba centraux, constitue le milieu, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les Baluba du Katanga. Et puis vous avez les Baluba du sud. Alors nous sommes du sud parce qu'on a émigré vers le sud. Et au sein de ces Baluba du sud, vous avez une, je ne dirais pas une ethnie, mais plutôt une famille, parce qu'on a des familles composées comme ça qui sont formidables. Alors vous avez parmi ces gens-là, vous avez les Bakwa Kalonji. C'est une grande famille Baluba. C'est l'une des familles qui garde encore la dynastie depuis la descendance, depuis le Katanga, qui était notre pays d'origine, notre terrain d'origine. Vous avez encore la descendance. On sait suivre maintenant, et c'est ce que j'ai pu faire dans ce livre, on sait suivre la descendance des Baluba dans cette maison Bakwa Kalonji. Alors, je commence par ma petite famille. Qu'est-ce que l'idée, le garçon voulait que je fasse cette arbre généalogique. Alors, je commence par mes parents, et les parents de mes parents, et les parents des parents de mes parents, ainsi de suite.
Et on a remonté jusqu'au 18e, à la 18e génération. Alors c'est pour ça que mes petits-enfants aujourd'hui, là, je parle de mes petits-enfants, les enfants de mes filles et de mes fils, j'ai dit, mais là, ils sont la 18e génération de cette grande famille qui vient de Ilungambidi, c'est-à-dire de l'ancêtre fondateur des Baluba, de la lignée Baluba, Ilungambidi. Ilungambidi, non, Mbidi Kilue, qui est l'ancêtre mythique qui a eu un garçon magnifique qui s'appelle Ilungambidi, et de là jusque, j'allais dire, chacun peut prendre dans sa famille et retrouver ses générations, mais jusqu'à moi, donc jusqu'à mes enfants. Merci professeur. L'ouvrage, il est magnifique quand on comprend déjà le contenu. Combien de temps avez-vous pris pour cette enquête ici, donc faire la recherche de toute cette génération que vous venez de citer là? Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de vos enfants, vous dites que vous êtes déjà à la 18e génération. Mais alors, vous avez pris combien de temps? Oui, et vos petits-enfants. Vous avez pris combien de temps pour faire cette enquête ici? Comment vous avez procédé? C'était difficile, c'était facile, ou bien il y a eu quelqu'un qui gardait encore les documents anciens, dirais-je, par là. Pourriez-vous nous dire comment vous avez pu retrouver et réunir cet ensemble de documents-là pour parvenir à élaborer Baka Kalonji? Baka Kalonji, je l'ai fait en grande ligne. En grande ligne. Donc c'est pour cela qu'il y a la modicité des pages, là. J'ai fait en grande ligne, mais ce qui m'a été fourni, c'est d'abord ce chef-là du village, mon grand frère, Télésphore, et puis j'ai occupé une place vraiment privilégiée à Paris comme un des responsables de notre communauté à Paris, dans l'association qui s'appelait Chankaya ou Chanzawankaya. J'étais leur président pendant 2 ans et demi, et là j'ai entendu, je me suis intéressé à ça alors que je ne voulais pas du tout m'y associer, mais à un moment donné je me suis dit, mais ils ont soif de savoir, il faut que je le sache, mais pour savoir il faut que j'apprenne, d'où la présence de ce monsieur que vous voyez à la fin de l'ouvrage, Étienne Kanyinda Bouloulou, que vous avez ici, qui était à Chankaya comme notre sage, et il m'a appris énormément sur la descendance. Et donc c'est en utilisant le chef du village, en écoutant le chef du village, en écoutant mon grand frère, en écoutant c'est Étienne Kanyinda Bouloulou, qui est à Paris, qui a 92 ans maintenant. 92 ans. Donc c'est vraiment une bibliothèque. Donc vous pensez comment je me suis. Voilà. Et puis vous avez ensuite les questions qui m'étaient posées par mes enfants. Parce que il parle du village, il est le village de mon père. Donc, c'est pas leur village. Donc, j'ai dit, mais écoutez, c'est ton village aussi, non? Voilà. C'est par rapport à toutes ces questions, à ce que j'ai pu avoir au sein de Chankaya avec mes compatriotes, que j'ai pu avoir les grandes lignes que j'ai données ici. Ça, c'est vraiment l'introduction de ce que je dois faire pour toute la maison Baluba du sud. Ah, vous comptez encore publier d'autres éléments par rapport à hier? Ça, c'est vraiment l'introduction, l'introduction générale. Alors, là, vous verrez bien jusqu'à la 17e génération comment nous descendons et nous pouvons remonter là jusqu'à... Cette introduction vous a pris combien de temps? La question est très compliquée parce que j'ai écrit d'emblée comme ça, en 98, en 99, quand je revenais, et il fallait que je finisse ça tout de suite. Je vous parle de 97, puis 98, puis 99. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 ans que j'ai préparé cet ouvrage. Donc il y a des moments où je lisais, et puis à un moment donné, je devais interroger tel, surtout mon grand frère. Il me manque beaucoup parce qu'il y a des choses... Il a disparu il y a 3 ans. Mais il me manque beaucoup parce que je lui ai dit, tel soir,
qu'est-ce que tu penses de tel, est-ce que tel nom est tel. Mais comme j'avais déjà noté, mais je voulais avoir des positions sur ça, donc ça m'a pris du temps, 3 ans. Ok, professeur. Peut-être au début, je n'avais pas commencé ça, mais je m'aimerais d'abord mot à mot, parce que là, nous avons Bakwa, nous avons Kalonji, ainsi que Mutu Ne Djibanda. Djibanda, voilà. Professeur, j'aimerais bien que vous ayez quand même le temps de nous expliquer mot à mot, qu'est-ce que signifie Bakwa, qu'est-ce que signifie Kalonji, ainsi. Ceux qui connaissent ce dont je parle ici, vous avez dans la grande famille de ce qu'on appelle Bakwa Kalonji, vous avez la famille de Bakwa Kalonji, ben, Mutu Wamukuna, c'est-à-dire ceux qui sont en haut de la montagne. Et vous avez les Bakwa Kalonji qui sont au bas de la montagne, qui sont une et même famille. Mutu Nichibanda, c'est-à-dire tête et pied, si vous voulez. Tête et vallée. Tête du sommet. Donc, sommet et vallée. Voilà. Mais c'est la même famille. Parce que, et la tête, le sommet de la montagne, et ceux qui sont descendus en bas, naissent d'un un seul et même homme qui s'appelle Kalonji Milabi. C'est Kalonji Milabi. Mais la femme, en voyant ce jeune homme magnifique, elle a aimé le jeune homme. Quand il est revenu avec le grand-père, le grand-père a constaté, mais c'est pas possible. Il les a chassés. Donc, ils sont allés habiter quelque part. Et de ce mariage, sont nés 3 fils. Et de ces 3 fils, vous avez, par exemple, l'aîné, c'est Kabulampuka. Après Kabulampuka, vous avez Mbuyamba. Et après Mbuyamba, vous avez Kabeya, Kabeya Nkomo. Et cela sont les trois princes de la dynastie Kalonji Milabi et Kabeya Ilunga. Et les aînés de cette famille, ils étaient fâchés parce qu'on les avait déshérités. On avait apparemment déshérité leur papa. Ils sont descendus en colère en bas. Et voilà la séparation. Mais en fait, ce sont les mêmes gens. Alors, c'est cette histoire que je vous raconte. Je comprends, professeur. Mais s'il faut peut-être positionner. C'est une histoire personnelle. C'est... Je ne sais pas pourquoi je dois exposer ça comme ça aux gens. Les problèmes. C'est bon comme ça pour que les gens comprennent. Non, la discussion que nous avons aujourd'hui là, c'est un ouvrage que vous venez de publier. Alors, il serait très très important pour les téléspectateurs, pour les amoureux de la lecture, d'essayer de prendre cet ouvrage ici, Bakwa Kalonji, que nous avons ici avec nous. Essayez un peu de lire ça, comprendre le contenu, c'est très important, très important. Parce que vous êtes, c'est un auteur qui est grand, je dirais grand. Alors, il est en train d'expliquer cet ouvrage ici, pas d'emblée. Il veut que chacun de nous puisse connaître ses origines. C'est très important. Moi, je dirais que c'est très, très important. C'est un élément très capital. Nous devons connaître nos origines. Aujourd'hui, ce n'est pas moi le présentateur de cet ouvrage ici, parce que l'ouvrage ne m'appartient pas. Mais au moins, j'aurai le temps, avec son autorisation, peut-être il pourra même me faire un cadeau. Parce que c'est à vendre, ce n'est pas gratuit, sincèrement. Mais moi, peut-être, je suis là, il peut me faire un cadeau pour aller lire ça. Alors, j'aimerais que pour nos jeunes gens, ça vous allez vraiment m'écouter, pour nos jeunes gens d'aujourd'hui, nous devons avoir le temps, surtout le temps, de comprendre d'où nous venons. Nous devons essayer de bousculer nos parents, essayer de bousculer nos grands frères, comme le professeur venait de dire. Ils doivent nous expliquer le pourquoi de notre existence. Non, le pourquoi de notre existence, c'est vrai, c'est Dieu lui-même qui connaît ça, mais au moins, nous devons connaître d'où nous venons. Ça, c'est très, très important. Très important, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous serez devant un formulaire auquel vous allez remplir vos origines, province, date de naissance et consorts. Alors, si vous ne connaissez pas tout ça, ça va vous sembler difficile. Ça, c'est très important. C'est pourquoi le professeur ordinaire, le professeur Albert Tshibangwa Mulumba, à son tour, face au défi qui a été posé par ses enfants, il a essayé de relever ça. Si c'était mal relevé, aujourd'hui, les professeurs allaient être KO. Mais au moins, il a su
et il est parvenu. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons Bakwa Kalonji. Et nous procédons toujours à la présentation de Bakwa Kalonji. Professeur. Je reviens à la question que vous m'avez posée, Bakwa Kalonji, c'est-à-dire Bakwa, c'est-à-dire la descendance de Kalonji. C'est ça, Bakwa, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Kalonji. C'est ça que ça veut dire. Ceux qui appartiennent à Kalonji, vous avez côté sommet de la montagne, Mutu, et au bas de la montagne, ceux qui ont, qui étaient fâchés, qui sont descendus au bas de la montagne. Et ceux qui sont descendus, ce sont les aînés. Mais la dynastie a continué avec le cadet. Le cadet en haut. Alors, vous gardez cette dynastie, c'est formidable. Et vous avez, quand j'ai écouté ça, alors, j'ai dit à mes enfants, bon, parce qu'ils m'ont posé des questions, mon aîné, comme celui qui m'a donné l'arbre généalogique à remplir. Alors j'ai dit, mais ma fille aînée m'a posé la question à 3 ans, quand je faisais des études à Dijon, je me dis, mais papa, mais où que j'étais, je prends les mots, papa, où que j'étais quand je n'étais pas né? Vous comprenez, c'est une question. Vous comprenez ça, c'est ce que je venais de dire. Papa, c'est ce que je venais de dire. Suivez, c'est très important. Où que j'étais, papa, quand je n'étais pas né? Donc, formulé à Dijon quand Cécile n'avait que 3 ans et demi. Alors, je lui ai répondu. Mais je lui ai répondu en chiluba. Et là, je copiais. Mam Cécile Béatrice Nangawakaboula, Tatu Hermès Carrel, Moulumbo Chibang. Tatu Victoire Okem, Nkengela Mwanza, Kaku Irène Ndae Kanyimba. Voici côté papa où vous étiez quand vous n'étiez pas né. Plus immédiatement, vous montez de Chibang Albert et de Angèle Omokenge. Plus loin, beaucoup plus loin encore, vous étiez en puissance dans la succession, ci-après. Chibang Albert, frère cadet de votre papa Télésphore, Mwamba. Ensuite, vous avez Mulumba Kazumba, mon père. Nangawakaboula, ma mère. Avant eux, vous avez mon grand-père, Chibang Kamwanga, Pembe Chimbaï, ainsi de suite. Kengele Mwanza, Mwepu Mulumba, Mukendi Nyoka, Kabamba, Lukusa, Kalonji Kabulampuka, Kalonji Milabi, Kalonji Mpunga Chitandai, Chumanga Lwasambuta, Kasonga Dimbi, Mlopu Kasonga Mwine Kabanza, Ilunga Liu, Ilunga Mbidi Kalala, Nkola Wakudiba, Mbidi Kilue, qui est le mythique fondateur de la famille Baluba, du Kassai. Tous les Baba d'ailleurs. Donc vous avez tout ça, et c'est pour ça que je mets un accent. Samuel, Anna, Chanel, Melvi, Eolia, Stella, Adélie et Tristan sont de la 18e génération côté Kaku, côté papa. Voilà. Et puis, ce qui m'a beaucoup ébloui, c'est la dynastie de Bakwa Kalonji, hein, d'une façon générale, qui sont restés en haut. Vous avez cette dynastie à partir de 1912. Vous avez comment la succession s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Donc la dynastie Bakwa Kalonji est restée à Chibata aujourd'hui. Alors chaque fois que ceux qui avaient fui en bas, quand ils se représentent pour une raison ou une autre, on leur laisse le siège protocolaire parce que c'est eux les aînés. Alors, il se passe des choses assez extraordinaires parce que souvent il y a des Bakwa Kalonji de Benemout, hein, qui se disent, mais ces gens-là, ils ont fui, ils sont plus de chez nous, il y a des altercations, mais chaque fois il y a une cérémonie, lorsqu'il y a celui qui est descendu en bas, qui se présente, ils doivent se lever. Parce que c'est eux les chefs protocolairement. Donc on doit les respecter. Et moi je suis du côté de ceux descendants de ceux qui ont fui. Alors, quand je me présente chez les Bakwa Kalonji, je me suis allé me promener là-bas. Ils me donnent des chaises. Ils me disent, Tatu Udimukaleng Somba. Toi, tu es vraiment de la dynastie. Asseyez-vous là-bas. Professeur, nous voulons savoir. Cet ouvrage, c'est magnifique. Vous le mettez juste à la disposition de votre famille ou bien vous le mettez à la disposition de tout intellectuel qui veut connaître l'origine, par exemple, de Baluba? L'origine de Baluba,
Je vous dis que c'est un aspect de l'ensemble des Baluba. L'ouvrage est en chantier, mais je vais l'écrire en Tchiluba. Je vais l'écrire en Tchiluba, sous l'œil vigilant de notre aîné là. Hein? Moi, je l'appelle mon père, parce qu'il a pratiquement l'âge de mon père. Il a 92 ans, il a la chance d'avoir 92 ans. Et chaque fois que je pars, c'est toujours des... C'est, il a une mémoire extraordinaire, ce monsieur. Et chaque fois que j'arrive, c'est à assieds-toi, une colonne de la malle, c'est-à-dire, je vais te raconter des choses. Mais il est chez les Blancs. Mais il parle vraiment, tu vois, formidable. Je t'adore. Voilà. Alors, vous dites, à quelle disposition? Ben, tous ceux qui savent lire. C'est à la disposition de tous ceux qui savent lire. Mais ce qu'il y a, que vous avez dit ici, qui est quelque chose de formidable, c'est qu'il faudrait peut-être que nos enfants ici sachent d'où ils viennent. Et je ne sais pas, je n'ai pas pensé à ça, mais je pensais à ceux qui m'ont demandé où ils étaient quand ils n'étaient pas nés. Donc, je leur ai donné. Ça aide de donner ça à leurs enfants ou pas, mais c'est à tout celui qui sait lire. Mais professeur, vous ne voyez pas qu'il y a juste une certaine particularité? Parce que quand nous voyons l'ouvrage, on sent que la particularité, c'est au niveau où vous avez fait l'arbre généalogique juste au niveau de votre famille. Moi, j'aimerais peut-être que cet arbre généalogique ait quand même un sens qui prend par exemple, parce que nous avons plusieurs cultures ici au pays, plusieurs cultures, il y en a plein. Alors, en tant que professeur ordinaire des universités, pas de l'université, mais des universités, vous auriez dû peut-être trouver un point commun pour rassembler toute la culture, toutes les cultures que nous avons ici dans notre pays, et venir présenter ça avec, par exemple, un tel ouvrage. Nous avons Bakwaka Longi qui représente plus votre famille, mais au moins s'il y avait aussi un certain Bakwaka Longi qui présente toutes les cultures du pays, moi j'ai pouvais aussi être très content. Je serais très content. Pourquoi? Parce que c'est lui qui n'est pas Mulumba, par exemple. Nous avons les Bakongo, nous avons les Baswahili, nous avons les Bangala. Si par exemple un Mungala il voit Bakwaka Longi, s'il ne comprend pas, vous ne voyez pas qu'il n'aura pas peut-être l'intention de les lire. Un Mukongo et consort. Mais si au moins il y a une idée de rassembler cet ensemble-là, des Baluba, des Bakongo, et les mettre sur le point commun et trouver un ouvrage pareil pour mettre à la disposition de tous. Oui, c'est très important ce que vous dites, mais ça dépend toujours de chacun de nous. Parmi nous, même parmi les Bakwaka Longi, là, vous pouvez trouver des gens qui ne relèvent même pas de la généalogie. Et pour une raison ou une autre, hein, parce que je vois, j'ai parlé en bref de ce qui s'est passé parmi les Bakwaka Longi, comment ils étaient, ils sont dispersés, comment ils sont bagarrés entre eux-mêmes, comment on est entré là-dedans pour pouvoir les séparer, comment il y a eu des gens qui sont passés de hordes de tueurs qui sont passés par là pour pouvoir les disperser. Il y a un endroit on appelle Mounou, c'est-à-dire le souterrain où ils se cachaient, et comment on a procédé à pouvoir les étouffer là-dedans. Voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup, même parmi les Bakwaka Longi, qui ne sont pas vraiment les Bakwaka Longi. Donc qui ont servi d'occasion pour qu'on puisse les détruire. Voilà. Donc c'est un problème de tous les temps, quoi. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est simplement pour dire, quelle que soit notre tribu respective, nous n'avons pas choisi de naître Bakwaka. Mais nous sommes responsables de notre actualité. Le grain que j'ai donné là, c'est que les autres puissent trouver l'occasion de pouvoir remonter pour savoir à quel point nous nous sommes retrouvés sur tel territoire, tel autre territoire, pour faire ce Congo-là, qui est quelque chose de formidable. Mais pour cela, il faut que ça marche dans la vérité. Il ne faut pas qu'on triche. Alors, à ce moment-là, ce que vous me proposez, là, c'est un travail immense, ce n'est pas moi qui peux le faire. C'est des chercheurs, vous, les chercheurs. Vous avez des gens de tous côtés. Vous m'avez cité ici ce qu'on appelle les tribus. J'aime pas le mot.
tribu, ethnie, ce ne sont pas des mots congolais, ça. Tribu, c'est un mot qui vient des Juifs. Les cinq tribus d'Israël, pourquoi nous appliquer à nous? Quel est le mot essentiel chez nous? C'est en train de disparaître. Donc, les chercheurs comme vous, les jeunes chercheurs, on peut se mettre ensemble, poser un problème de ce genre-là. Chacun peut présenter son arbre généalogique. On peut discuter pour savoir comment se fait-il que nous sommes ensemble ici. Je vous parlais l'autre jour du cardinal Malula. Le cardinal Malula, c'est à la fois Moluba et quelqu'un d'ailleurs. Moi, mes enfants, mais c'est à la fois les Bakwakaloji et les Batetela. Parce que leur maman est une tétéla. Donc, vous voyez comment la jonction se fait. Hein? Donc, toutes ces tribus qui s'entre-déchirent. Mais on peut s'écouter parce que vous êtes des chercheurs, bon sang. Et en s'écoutant, ce n'est pas moi qui vais rédiger le livre de ce mixte, qui est quelque chose de fondamental pour que nous puissions évoluer. Hein? Non, mais... Ça, c'est le travail de tout le monde. Mais moi, j'ai fait ça parce que mes enfants savaient chercher à savoir d'où ils venaient. Donc, vous voulez juste répondre à la question que vos enfants voilà, vous posent. Mais on peut élargir ça. Donc, ceux qui vont lire, ils vont trouver la soif de celui, les gérants des 4 Fantastiques Cyber. Là. En lisant ce livre, en le mettant... C'est intéressant, ça, professeur. Mais voilà. Il ne connaît pas les Bakwakaloji. Il a lu, il a vu que ça semait en lui quelque chose de magnifique. Il peut chercher maintenant, il va demander à maman, mais maman, d'où je viens? Maman peut buter quelque part. Hein? Mais on peut trouver des oncles et des choses pour pouvoir. C'est comme ça que les choses se cultivent. Et nous avons la même sociologie, la même philosophie sociologique à partir du Congo. Mais on appelle tout cela. J'utilise les mots sociologie et philosophie. En fait, ce sont des mots d'emprunt. Mais quel est le mot originaire qui fait que nous sommes les mêmes gens? Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre combien les professeurs nous expliquaient Bakwakalonji. Vous aussi, en tant que Mungala, en tant que Swahilifone, en tant que Mukongo et consort, ayez ce temps-là de faire aussi votre Bakwakalonji. Le professeur m'a donner ma tâche à moi en tant que chercheur, je suis obligé de faire aussi mon Bakwakalonji pour venir vous présenter peut-être un jour. Professeur, où est-ce que le téléspectateur pourrait avoir les Bakwakalonji? Peut-être ils auront envie de lire ça, mais... Au 4 Fantastiques Cyber, sur l'UPEN. Ça c'est, comme vous avez pu constater... J'ai eu la chance énorme de pouvoir être chef de département des centres de l'information et de la communication. Et j'étais au contact avec les médias. Et je suis toujours au contact avec les médias. Ça m'a donné l'idée de créer donc ce cyber. Ou plutôt, c'est ma femme qui m'a poussé, qui m'a dit, mais écoute, tu n'as plus de bureau là-bas. Viens, tu vas squatter mon bureau. Alors, c'est vrai que quand je n'avais plus de bureau, je ne savais pas où j'allais m'asseoir. Et puis tout de suite, on venait de créer 4 Fantastiques Cyber. Hein, ma chérie, je t'embrasse bien fort. Et il m'a reçu là-bas. Quand je montais, lorsque j'étais fatigué, j'arrive là-bas, il me donne des bananes, je mangeais. Ben, voilà. Donc, pour revoir cette histoire, c'est pas comme ça. Il faut aller au 4 Fantastiques Cyber. Maintenant, c'est en train de prendre de l'envergure. C'est quelque chose de formidable. J'ai un bureau là-bas. Un bureau du chef, et voilà, je reçois parfois les chercheurs là-bas. Donc, allez là-bas, vous avez non seulement ça, et vous avez un nouvel observateur. Ceux qui veulent se préparer au journalisme, j'ai des revues immenses. Il y a ma fille qui m'approvisionne un nouvel observateur. Il y en a tout un tas comme ça. Si vous voulez chercher de la philosophie, vous verrez. Si vous voulez savoir comment Obama a été élu, comment Mandela est mort, vous avez tout un tas comme ça. Donc, je vais mettre ça à la disposition des 4 Fantastiques Cyber. C'est de la recherche, c'est une mine de recherche pour vous autres. Merci, professeur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En grosso modo, professeur, Bakwakalonji, qu'est-ce
qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour tout ce que vous avez fait? Vous avez presque répondu à toutes nos questions. Nous en sommes très, très reconnaissants envers vous, professeur. Mais en grosso modo, qu'est-ce que vous pouvez dire pour Bakwa Kalonji? Ils vivent. Les Bakwa Kalonji vivent encore. Ce que je peux vous dire, c'est la succession du pouvoir chez les Bakwa Kalonji. Avant 1912, la succession de la dynastie, ce qu'on appelle en Tshilubal Bumfumu, de Kalonji Milabi, cette succession s'est faite de la, dans l'ordre suivant. Mukalenga Mudingebu Muya. Wabakwa Lukusa. Mukalenga Kambila Kayemba. Benechimanga. Mukalenga Kabayakana. Benakayemba. Mukalenga Mutombu Kachi. Mushidi. Benakalala. Ça c'est avant 1912. À partir de 1912, vous avez Mukalenga Lutong, fils de Mutombo, Kachimushidi, Benakalal toujours. Bwachikusucha Tienda, c'était un type très très sévère, très méchant. Lutong fut vite écarté du pouvoir au profit de Kabengele Dibwa, frère de son père. Mukalenga Kabengele Dibwa ou Mutombo Kachi II. Son règne fut long, de 1912 à 1950. C'était vraiment une dynastie prospère, jalonnée d'événements, comme la victoire sur Lumpungu. Et ensuite, cette dynastie a continué à Tshibata jusqu'à aujourd'hui, à moins qu'ils aient déménagé, je ne crois pas. À partir de lui fut le siège de la dynastie, Tshibata fut le siège de la dynastie. Il était toujours suivi de magiciennes, notamment Tshiamba wa Kachi. Au bout de son règne, il préféra rendre le pouvoir à son neveu Lutonga, donc Mukalenga Lutonga ou Mutombo Kachi III, a continué à partir de 1950. Son règne fut long et difficile, surtout dans les années 1959-60, lors de l'exode des Baluba, avec ce qu'on appelait Bidibi et Abiyakalonji. Ensuite, vous avez eu Mukalenga Kabeya Ngashamba, Benemukendi, sous la dynastie de. Sous la dictature de Kinshasa, mais ça n'a pas été transmis selon la tradition Bakwa Kalonji, mais quand même. Il s'est appuyé là-dessus pour que Kabeya Ngashamba puisse être chef de Bakwa Kalonji. Aujourd'hui, je ne sais pas à qui il a laissé ce pouvoir. Vous voyez, ça continue la recherche. Mais tout cela est bien situé. Bakwa Kalonji Bamutu, Kuchibat. Mukalenga Kabeya Ngashamba II, Benemukendi actuel. On aura constaté que depuis Mukalenga Mutombo Kachi Mushidi, mort empoisonné, le pouvoir était toujours aux mains de Benakalal. Alors que normalement, il devait passer alternativement dans tous les quatre, toutes les cinq, les cinq enfants de Kabeya. Voilà. Moi, ça me fait un plaisir de lire tout cela. Et puis, vous avez à côté des enfants de la princesse, vous avez les co-épouses de la princesse, qui sont, on peut les appeler Bakwa Mulumba. Alors, dans la Bakwa Mulumba, vous avez toutes sortes de dignitaires, et ainsi de suite. Je prie vraiment tous les Bakwa Kalonji, surtout ceux qui sont à la tête de la colline, qu'ils lisent ce livre-là, qu'ils contredisent, qu'ils viennent me trouver, que nous parlions ensemble à tête reposée, que nous discutions. Professeur, là, vous avez tort. Mon grand-père m'avait dit ça. Non, là vous avez raison. Il y a énormément de. Un vivier de discussions, de beauté, de tendresse à la fois. Voilà. Merci, chers téléspectateurs. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes très reconnaissants de la bonne volonté, de la volonté que vous faites à tout moment à cette émission ici. Vous êtes si nombreux, de temps à autre vous suivez notre émission Existence qui passe sur la chaîne 4 Fantastiques. Voilà,
Nous vous disons un grand merci et au prochain numéro. Merci.